C'est vrai, c'est pourquoi est-ce qu'on pense à farine de blé tout de suite quand on parle de pain, par exemple? C'est vrai qu'en France, que dès qu'on parle de farine, on pense farine de blé. Et y a une explication vraiment très simple à cela, c'est que la France est, depuis des siècles, le grenier à blé de l'Europe. C'est même encore aujourd'hui le premier producteur de blé sur le continent. Donc voilà pourquoi on pense à farine de blé. Mais ces dernières années, dans des émissions culinaires, aussi dans le rayon de vos supermarchés, on voit des farines apparaître, voire réapparaître, qui sont un peu différentes. Alors sachez que toutes les farines ont une fabrication un peu différente en fonction de la matière première, mais la finalité, c'est qu'on va obtenir une poudre qui résulte du broyage d'une matière première, d'un aliment solide, et c'est ça la définition de la farine. Alors en France, on pense farine de blé, mais il en existe beaucoup d'autres, et on va en parler, William. Ah, c'est quoi? On les appelle comment? C'est une nouvelle farine? On les appelle des nouvelles farines. Après, il y en a tellement, je n'ai qu'un échantillon en plateau, mais ça m'a plus que ça ? Oh là là, oui, beaucoup plus. Un, deux, trois. Ah bon ? Et j'en ai déjà ramené quelques-unes. Oui, effectivement. Je vous fais un petit tour d'horizon. Alors, allons-y. Un petit tour d'horizon. Alors, il en existe de toutes sortes. Hein. Vraiment, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut réduire en farine, finalement. Alors, il y a les farines issues de céréales, comme le blé. Hein, ça, la traditionnelle, donc celle de blé dont on parlait. Mais il y a aussi d'autres céréales, comme la farine de riz, par exemple, ou la farine de millet, qu'on connaît un peu moins, qui est un peu plus jaune. Vous pouvez, s'il y a besoin, ouvrir, regarder, etc. Elles se présentent toutes sous la même forme. C'est une poudre, c'est une poudre. Plutôt ça blanche. Ça sera toujours une poudre. De toute façon, on le sent à travers le paquet. Sauf que la couleur va changer. Oui. Et puis le goût, on va en parler justement. Il y a celle à base d'oléagineux. Alors, les oléagineux, ça va être la farine, par exemple, de châtaigne ouais. qu'on va mettre dedans. La farine d'amande, la farine de noix de coco aussi, ce qui peut être assez sympathique. Il y a celle à base de plantes à graines. Il en existe beaucoup. Le lupin qu'on utilise... on l'utilise plus traditionnellement, parfois en apéritif, quand on mange le lupin, on est moins habitué à l'avoir en farine, la farine de quinoa. Je ne suis pas sûr qu'à vous mangez du lupin, vous allez prendre ou... Non, ça m'arrive très rarement. Alors, désolé. C'est mon origine portugaise, on mange des lupins au Portugal, ah bon à l'apéro. Voilà, ah désolée, ouais. Je viens de me trahir. Tiens, il faudra qu'on fasse quelque chose sur le lupin un jour. Ah bah voilà. Apéro, écoutez. Voilà. Ouais. Un petit apéro chez moi avec des lupins. Avec grand plaisir, pas maintenant, mais bon. Ensuite. Ensuite, les farines à base de légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, toute cette famille-là. Et la grande majorité, je peux vous donner déjà une petite spécificité de ces farines, c'est qu'elles sont sans gluten, la grande majorité. Uh-huh. Et c'est vrai que c'est un petit peu... entre guillemets à la mode, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent intolérants au gluten, et donc ça va être assez intéressant pour eux. Oui, mais il y a d'autres atouts, en dehors du fait qu'il n'y a pas de gluten. Oui, alors il y a mais beaucoup c'est quoi, d'atouts, et il faut que je vous... d'atouts, pas d'atouts, il faut que je vous en parle. Impossible de vous parler de tout aujourd'hui, mais au moins je vais vous donner trois atouts principaux. Le premier atout, surtout dans les farines de légumineuses, je répète, pois chiches, lentilles, toutes ces farines-là, c'est qu'elles vont être très riches en protéines et très riches en fibres. Et ça, c'est intéressant, d'accord. Les fibres. Mais avec cette farine riche en protéines et en fibres, je fais quoi ? Je fais des gâteaux, je fais tout ce qu'on fait avec de la farine de blé traditionnellement, oui. Mais on doit changer un peu la recette et je vais y revenir justement. Peut-être, mais on peut faire ça, de la pâtisserie, oui. Du pain ? Oui, on peut. Ah ouais ? On peut tout faire. Mais les recettes vont être différentes et bien sûr le goût va être différent, etc. Mais on peut tout faire. Oui, William, on peut. Donc voilà, alors l'avantage du fait qu'il y ait des fibres, c'est que ça va diminuer l'absorption du sucre dans votre sang. Bon, en gros, si vous faites attention à votre ligne ou si vous êtes diabétique, par exemple, ça peut être très intéressant. Ah, d'accord. Voilà. Alors ça ne sera jamais les mêmes dosages que la farine de blé, hein, bien sûr. Certaines vont contenir des molécules essentielles, des molécules qu'on ne sait pas nous synthétiser. On appelle ça les acides aminés essentiels. Par exemple, la farine d'amarante, que je n'ai pas ici en plateau, mais la farine d'amarante contient ces petites molécules qui sont importantes pour l'organisme et ça permet le renforcement des os, ça permet aussi une action anti-inflammatoire. Mais là, je peux faire un pain à la farine d'amarante ? Vous pouvez, mais pas que à la farine d'amarante en l'occurrence. Il va falloir, en fait, en général, ça va être un tiers d'amarante, un tiers de cire. Ah, c'est ça, il faut la mélanger. Il va falloir la mélanger. D'accord, et elle m'apporte les atouts dont vous parlez là. Oui, là pour le coup, vous aurez. D'accord. Les acides aminés dont je parlais, ces fameuses molécules qu'on ne sait pas synthétiser et que seule l'alimentation vous apporte. Et en plus, eh bien, elles ont un goût différent. C'est un goût un peu plus fort que la farine de blé, souvent proche de la noisette. Donc ça, c'est vraiment les trois atouts. Toutes, mais de manière générale, si je devais donner une saveur principale, noisette. Anthony ? Est-ce que elles ont les mêmes propriétés physiques que la farine de blé ? Est-ce que, par exemple, concrètement, je peux remplacer ma farine habituelle par ces farines ? Eh bien non, voilà, Ah. Oui et non, alors attendez, je vais dans Faut choisir. Alors,
Je ne peux pas remplacer ma farine habituelle par ces farines pour obtenir la même préparation exactement. C'est ce que je disais. Le gluten qui est dans la farine de blé permet d'avoir l'élasticité du pain, le gonflé du gâteau. Mais je peux faire un pain. Mais je peux faire un pain qui va être différent. Il aura peut-être un petit goût de noisette. Voilà. Il aura pas de gluten. Il sera peut-être un peu plus raplat, un peu moins gonflé, mais on peut faire du pain. Moi, je consomme du pain à la farine de châtaigne, par exemple. Mais c'est tout à fait possible. Mais c'est plus compact. Vous voyez, en texture, en bouche. Bon. Ah oui, moi j'adore, vraiment. Et ça coûterait plus cher si on généralisait ça? Oui. Par exemple, ah oui. Parce qu'à la base, dans une boulangerie, s'il y avait châtaigne, vous le prendriez ou vous direz, ah non, c'est trop cher? Ah bah, je le prends en boulangerie, je ne le fais pas moi-même. Donc moi je le prends, oui. Il est plus cher, mais il est tellement meilleur que j'adore le goût. Vous avez fait un choix, donc c'est votre choix. C'est mon choix, et ça va être sur le choix de certains. Sur les six qui sont là, vous avez choisi le pain châtaigne. Châtaigne, c'est celui que je préfère. Et là, lui, il n'est pas tout mou, il tient la route. Il tient la route, un peu compact, un peu friable, mais il faut aimer cette texture-là. Moi, je l'adore. Voilà, je le coupe en tranches. Et en tant que diététicienne, vous dites ça, c'est plutôt bien. Et c'est vous bien le recommanderiez aussi. Oui, je le recommande sans problème. Et ben voilà, on a gagné quelque chose. Ben voilà, je vais acheter un pain en châtaigne. Y a-t-il d'autres recommandations? Il y a surtout attention à la conservation sur des farines qui sont plus fragiles. Donc, attention à l'abri de la lumière, vous les conservez bien hermétiquement à l'abri de la lumière. Et surtout, achetez-les plutôt par paquet de 500 grammes plutôt que le 1 kg habituel de farine de blé. De toute façon, comme c'est plus cher, on est plus précautionneux. On va retenir ça, en tout cas. Quitte à retenir quelque chose à la farine, pas n'importe laquelle, demandez si votre boulanger a du pain châtaigne. Châtaigne, oui, j'achète. Tiens, coco. Voilà. Ouais, alors, coco, je n'ai pas encore trouvé, mais châtaigne, oui. Merci beaucoup.